Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 256 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Star Sky 2. Écoutez ce silence, écoutez ces criquets qui font du bruit. La lune est belle, il y a deux personnages dos à dos, un arbre au milieu. Nous allons y jouer, je ne sais absolument pas ce que c'est le jeu, mais on va y jouer. Je vous assure qu'on va y jouer. Alors, autoplay, you move forward by holding left and right key, donc ok, clavier. Depending on which path are you walking, hold the up key to run, but be warned, soyez averti. Il y a de grandes chances que vous perdiez quelque chose si vous le faites. L'objectif de ce jeu est de débloquer tous les événements de la nuit que la nuit vous offre. VK, donc c'est un jeu joli. Not being lequel in one place. On ne peut pas tout débloquer en une partie. Différents événements font différentes choses suivant la situation. Rester dans la zone d'événements pour déclencher un événement. The magic music will tell you where. Donc vous dira thing can happen. Quand quelque chose... Ah oui, donc une musique magique vous indiquera quand quelque chose peut arriver. The spark will show you... Be patient. The different paths are connected in different ways. Observe the chance... Bla, bla, bla. Donc ça a l'air d'être un jeu qui est à destination de découvrir des trucs jolis. Ok. Et ok, je viens de quitter le jeu. Donc voilà. Donc j'ai quitté le jeu, donc je le relance. Je couperai sûrement ça à la caméra, désolé, hein. Parce que là, quand même, tout mon bureau, hein, voilà, on va éviter de faire n'importe quoi. On est reparti. Allez, blablabla, et c'est reparti. Donc, start. Choose your path. Use the line, hein, to walk up. Up to Kairon, listen for the magical music. Alors je suis un gars, donc on va prendre le mec. Donc je suis à droite, c'est parti. Ah, je peux pas reculer, hein. Je peux que avancer. La nuit est belle. La nuit est belle. The Tundra. Ok, il y avait un peu de la musique, mais j'ai dû trop avancer. J'ai trop avancé. Quel est l'objectif de ce jeu? Enfin, l'objectif, on le connaît, mais... Qu'est-ce que je vais observer? Musique magique. Musique magique, attention. Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je suis censé voir? Le ciel? Joli. Ok. Oh, un bel oiseau. Ouh, il y a des petites étoiles qui sortent du ciel et deux... Ah, il se passe un truc, il se passe un truc, il se passe un truc. C'est plus moi qui bouge là, c'est pas moi qui bouge. Ah, le mec, il allume une torche et tout ça qui se barre. À l'aise, quoi.
Le mec, il a fait fuir tous les oiseaux. C'est pas très très joli. Ah, il y a de la musique, il y a de la musique. Qu'est-ce qui va se passer? C'est joli, n'empêche. Ce jeu, on peut pas dire qu'il est pas joli. The Peak. Oh, il va se passer un truc, il va se passer un truc, il va se passer un truc. Je sais pas quoi, mais il va se le passer. Oh. Fogfield. Donc on va changer de direction. Hop, on va aller Fogfield. Ok. Oh, puis ça descend. Yeah. Ah, effectivement, on pourra pas tout découvrir en une fois. Va être compliqué, je pense, sinon. Ouais. Ok, on est revenu. On est de nouveau là. On est de nouveau là, on est de nouveau là. On se balade toujours. Il y a de la montagne. Oh, un joli nuage. Ouh, des pissenlits. Alors, qu'est-ce qu'il essaye de m'expliquer dans la vidéo? Dans les images? Ah, il va se passer un truc, il va se passer un truc. Ok! Ça a explosé, quoi. Je sais pas pour vous. C'est joli, hein. Ah, on est d'accord que c'est joli. Mais qu'est-ce que je m'emmerde? Oh, c'est vrai que ça change, hein. Ça change des autres jeux que j'ai pu tester. Si on peut appeler ça un jeu. On va aller voir la lune. Oh! Petite étoile, petite étoile, petite étoile. The Peak. On va monter sur The Peak. Ah, mais d'accord, c'était là où j'étais tout à l'heure. Bah, je crois. Tout à l'heure, c'était soit Tundra, soit Peak. Et je suis descendu Tundra puisque ça a pas monté. Donc là, du coup, on monte là-haut. Sur The Peak. Ouh, le décor. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des falaises, des icebergs? Ouh, un pont. Marchons sur le pont. Bon, ouais, il y a des petits bugs graphiques quand même, hein. On a le pied qui traverse le pont, mais bon, c'est pas grave. La tension est là. Ah si, c'est bon, là, ça va, c'est un peu mieux. Quand on descendait, c'était un peu moyen, quand même. On se balade, on se balade. Et n'empêche, ça donne plus envie de le faire dans la vraie vie qu'autre chose, ça. C'est un jeu où on se balade dehors la nuit, il suffit de sortir le soir. Bon, ça dépend où vous êtes, hein. Il y a des endroits, c'est moins joli que d'autres. Hein. Edge of the World. Ok. Si tu veux. Ok. Je sais pas où on est. Est-ce qu'on est revenu au début? J'espère qu'on n'est pas revenu au début quand même. Non.
une maison. Ok. Ok, on est revenu là. Et bah c'est bien, on va s'arrêter sur la... on va arrêter là-dessus sur cette vidéo. Bon bah, j'espère que vous n'avez pas été déçus, c'est quand même autre chose, c'est pas vraiment un jeu, il n'y a pas vraiment de but. C'est vraiment se balader, regarder les actions, je pense que voilà, il y a moyen de découvrir, comme il disait, plusieurs actions dans différents... dans différents cas de figure suivant ce que vous faites avant ou après l'autre. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez faire découvrir ce jeu, n'hésitez pas à faire partager, à partager cette vidéo. Sinon, faites-le partager pour si vous voulez faire connaître ma chaîne. Moi, ce que je demande que ça, c'est pouvoir faire découvrir des choses aux gens, notamment bah, des jeux comme celui-là. Pourquoi pas. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous promets que le prochain jeu, ça sera pas un truc comme ça. Enfin, pour ceux qui auraient pas apprécié celui-là, parce que c'est vraiment. Bon bah ouais, c'est zen. Allez, on se dit à plus!